Ce soir, c'est un stream super particulier que je vous invite à partager. Oui, on va retourner dans HDD, Horizon Zero Dawn. Et vous avez l'habitude, en fait, un petit peu, si je crois bien. Mais ça va pas être pareil du tout, quoi. Ça va être complètement différent, rien à voir. Je vous le garantis, je vous le jure sur facture. Suivez-moi, on va faire le premier stream de l'histoire de HDD en ASMR. Donc je suis en route pour Méridion. Eh ben, on va aller à Méridion. Hein. On essaiera de faire des photos rigolotes dans Méridion parce que j'ai pas pris le temps d'en faire vraiment. On a dégagé tout. Ouais, elle en trace. C'est quoi ça? Un camp de Pfaffer? Je sais plus ce que c'est sur la map. Il n'y a pas une... Bon, on s'en fout. C'est ça, on s'en fout. Ira beaucoup plus vite avec un Maurice. Ah ouais, je vais vous faire le stream en ASMR. Vous savez, les ASMR qui tournent en ce moment, où les mecs reprennent des séquences vidéo. Aujourd'hui, j'ai vu celle de Billard. Ça fait partie, c'est le rire que j'ai eu aujourd'hui. C'est la vidéo de Billard qui s'obfusque sur le Covid et la réaction du gouvernement. Et il en parlait tout le temps comme ça. Et c'est super bien parce qu'il gueule. Et plus un mec gueule fort, plus ça fait pisser de rire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. Et donc du coup, bah, quand on va se bastonner, si je fais une mauvaise rencontre, on va faire ça. Badoum, ciao. Non, 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 j'ai pas d'argent. Ils font chier, ces mendiants. Badoum, ciao. Oh non, pas le pirate des Caraïbes. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas de monnaie, dégage. J'adore envoyer les chier les gens dans les ZD. Ça s'en passe pas. Les mecs, vous avez un truc là-haut. Il n'est pas très soigneux avec le décor en plus. En fait, il était en train de se gratter. Attends, Maurice. Est-ce qu'on s'essaye la séance ASMR? La baston de la ASMR. Il va falloir que je tienne le micro super près, ça va être chiant. Alors, je vais faire un truc, je vais bouger le clavier. Non, mais j'aménage pour vous, les gars. C'est parti. HZT en ASMR. Là, pour vous expliquer. Je vais m'approcher, je vais lui poser des pièges à cette tête de nœud. Il est tellement con qu'il va tomber dedans. Mais du coup, faut que j'approche tranquille, quoi. Parce que là, il m'a l'air un petit peu... frétillant encore, regardez. Ça se voit tout de suite. Il a le regard fourbe et il casse le décor. Il y a des graphistes qui se sont fait chier à le faire, et voilà, ils pètent le décor. Moi, je supporte pas ça dans les jeux, ça m'énerve. Le plus dur, c'est de pas rigoler, en fait. Qu'est-ce qu'il fout, ce gros con? Qui c'est qui broute derrière? Non, y'a un pire, faut pas que je me prenne, gros. Allez, on y va. Tranquille. Je crois que les becs à côté vont faire n'importe quoi, ils vont me la tirer sur la tronche, c'est obligé. Qu'est-ce qu'ils sont couillons, ces becs? Ouais, c'est ça. Pfff, heureusement que je suis une meuf. Quel rapport? Aucun. Il va me marcher dessus, je sens, lui. Tu me vois pas? Tu me vois pas? Je suis le brin d'air. Je suis le vent. Badoum, ciao. Dans les... Mais je vous jure que ça marche dans notre house. Vous me croyez pas? Vous allez voir. Bon bordel, faut que je refasse mes munitions. C'est peut-être pas une bonne idée de venir se friter, les gars, finalement. On pourrait faire des photos, puis on y va, c'est tout. Non, faut friter, ok. Là, c'était exigeant, les viewers.
côté, je pense. Putain, il déclenche rien, ce con. Bon, on va mettre une deuxième couche, les gars, qu'est-ce que vous voulez, hein? Je le sens joueur, le mec. Carrément. Regardez, regardez-moi ça. Je suis sûr qu'il doit avoir un t-shirt de foot dessiné arabe. Ou alors pire, des posters de champion de tennis dans sa chambre. Ouais, je sais, c'est horrible. Je vais éviter de refaire ce truc. On y va. Vous êtes prêts? Putain, que je l'ai truffé, ce truc. Il se doute d'un truc, je crois. Je crois qu'il se doute. Merde, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, ça va dormir. Oh. Faut que je garde la voix comme ça, t'es tué. Oula. Attention, attention, faut que je garde la petite voix. C'est important, faut garder la petite voix. Si je garde pas la petite voix, c'est foutu. Regarde à mon cou. Mon cou. Tu vas le prendre. Et c'est du 15. Je vais faire du hachis par entier. C'est ça, viens, 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 viens. C'est tout ce que t'as. Coquinou. Coquinou. Je parle pas encore. Bon, je me débarrasse de ces lances moins moi. Et j'appelle ça comme ça parce que j'ai pas d'idée là dans l'instant. Mais oh, je suis occupé moi. On y va. Attention, 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 essaye. Elle parle plus fort que moi, vous avez vu ça, les gars. Hop là, petite place à droite, à gauche, à gauche encore, encore. Et là, son lance-disque. Merde, j'ai pas le parc. Je prends cher. Ah oui, je suis avec la tenue débile. Oh là là, ça va pas le faire. Choper la gros des piafs, c'est ton douille. Énervé, il me semble. Tout petit peu. Ouh, qu'il est pas content. Ciao.
là, oh là là, oh là là, il l'a jamais reçu là. Je vais me prendre des piafs en agro, ça va pas rater. Heureusement qu'il vise comme une pure. J'ai plus de flèches, ça c'est la mauvaise nouvelle du jour. La bonne, c'est qu'il va cramer. Apparemment, il a le syndrome ED 209. Oui, c'est un syndrome spécial chez les robots qui savent pas descendre des marches d'escalier. En général, on se fout de leur gueule, ils aiment pas, ça les énerve encore plus. Je sais pas si vous laissez des fous là-bas, mais... Non, parce que franchement, c'était super dur de parler. Je vais éloigner le micro quand même. C'était super dur de garder quand même cette voix contenue. Et encore, j'ai parlé trop vite, je trouve, par rapport à un vrai puriste du. Maman ASMR. Aïe, sa mère. En tout cas, c'était bien rigolo. Non. Non ? Ok. Bon, bah, je referai pas, c'est pas grave. Ah, oh, vous êtes chiant, viewer. Je rappelle que c'est moi qu'il faut faire rire, donc si je me suis déjà fait rire, en fait pas tant, c'est déjà pas mal. Bon bah je suis déçu aussi du coup, je vais peut-être me virer hein, finalement. J'aime bien comme elle met des grosses pièces métalliques dans ses petites papoches, hop, instantanément. Est-ce que Maurice est toujours dans le coin? Il faut vraiment que je refasse un stock de branches pour faire des flèches, parce que là, le gag de tomber en rade. Alors c'est vrai que le mode ultra demande de viser davantage, parce que les bestioles, bah, il est toujours là Maurice. Planqué, t'es tonché? Mais comment t'as fait ton compte? T'as été avec qui encore? Ces robots domestiques. On les surveille pas deux minutes et voilà, le bordel. Ah oui. Tu t'es fait agresser. Tu t'es bien défendu en tout cas. C'est bien, je suis fier de toi. Allez, 4 tu t'es fait, bravo. 5. Chapeau. Ouais, mais des potions, j'en suis pété, pété. Non. Pété. Ok.
Maurice, je vais te réparer pour la peine parce que tu as bien travaillé. Oui, ça serait par là, un robot. Je devrais au moins arrêter les étincelles. Et ça serait pas avec des mimes, oui. C'est peut-être la mise à jour, hein, qui a merdé un peu. On y va, Maurice, allez, go. On va à Méridion, c'est jour de fête. Tu connais le chemin, je présume? Moi, oui, mais bon. Non, on ne jouera plus avec le gros, il marchera plus. Il est en route.